pression. Donc quand je suis en pression, forcément, ça va bien, il y a du spectacle, tout ça. On a essayé de mettre des choses en place, qu'on a travaillé la semaine. Aujourd'hui, ça nous a réussi, donc tant mieux. Les coachs veulent terminer sur ce top 5. On est en bonne voie. Il nous reste encore deux matchs, un déplacement à Mulhouse et le dernier match à domicile face à l'équipe réserve de la Gioxer. Ouais, c'est clair, c'est l'objectif, comme j'ai dit, top 5. Maintenant, on a un week-end de libre déjà, donc on va en profiter pour bien se reposer. Donc voilà, effectivement, 4-0 à domicile, c'est bien pour les sponsors, pour nos supporters. On a toujours cet objectif en tête qui est la 5e place. On le répète tous les jours au vestiaire, les coachs le répètent sans cesse. Donc voilà, aujourd'hui, on fait un pas de plus. Maintenant, il reste deux matchs, il va falloir faire les mêmes résultats pour réussir l'objectif. C'est vrai, quand vous parlez d'objectifs, on peut dire qu'ils sont atteints. Le président avait demandé un 32e de finale de la Coupe de France. Il manquait pas grand-chose. Et le championnat, on est dans le top 5, on y est. Oui, on y est. Pour l'instant, on est dans les clous. Après, voilà, c'est pas fini. Derrière, ça reste à un point, je crois. Donc, un ou deux points. Donc, c'est pas fini. Si c'est les matchs qui vont être là les plus difficiles. Parce que, voilà, on joue, comme disait Daniel, on joue sans pression. Donc, des fois, il y a un peu trop de décompression justement, donc va falloir se serrer les coudes, encore travailler pendant 2-3 semaines et puis on pensera au repos après.